Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est rendu le mercredi 24 mai 2023, 9h20, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube en cette journée pluvieuse ici, dans les Basses-Laurentides. 9h20, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Distraction, 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 distraction. Après distraction, on est entouré de distractions. Il n'y a pas un politicien, une politicienne qui accomplit quoi que ce soit. Il faut être clair là-dessus. Ils sont tous pareils, tous financés par la même gang, la même clique, le même culte, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le même gouvernement mondial, le même 1%. Qui d'ailleurs met la main sur toutes les ressources naturelles depuis des décennies, des décennies, des décennies, et des siècles, et des millénaires. Puis il n'y a personne qui dit rien. Depuis 200 ans, c'est cette même clique qui imprime l'argent à gogo à partir de rien, via le crédit. On fait le crédit, on crée l'argent avec le crédit. Ces gens-là qui décident. Du moment où on va avoir une crise économique, du moment où on va avoir un taux d'inflation élevé parce qu'il faut maîtriser l'économie, et ainsi de suite, on va augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser après ça l'inflation. C'est eux qui vont décider des crashs, et qui vont décider des guerres. La guerre est un racket. War is a racket. C'est pas moi qui le dis, ça vient de loin. Je vais vous trouver le lien de ça. La guerre est un racket, c'est un livre qui a été écrit par un général de la division à la retraite du corps des marines des États-Unis. Il a été deux fois récipiendaire de la médaille d'honneur. Il a écrit un livre, un petit livre en 1935. War is a racket. La guerre est un racket. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir à l'élite, ça ne fait pas plaisir. Pardon, à l'establishment, mais c'est là. C'est du monde qui l'ont vécu. On parle d'un général, deux fois récipiendaire de la médaille d'honneur. Vraiment, la guerre est un racket. Pendant ce temps-là, c'est eux qui décident de tout, comme je vous disais. Les politiciens sont là à penser des lois, mais c'est pas eux autres qui les écrivent, sont incapables de mettre un pied devant l'autre. C'est tous des incapables. Puis il n'y a personne qui... Il n'y a pas un spécialiste là-dedans, il n'y a pas un expert là-dedans, là. C'est tous des bons à rien. Tous les politiciens, politiciennes sont des zéros pointés, comme disent les cousins français. Ce sont des parasites, comme disent certains. Comme les qualifient certains, et avec peut-être, probablement, raison et fondement. C'est du monde qui nous impose les politiques, les agendas de la petite gang qui possède la planète, puis nous autres, on est inclus là-dedans. Puis il n'y a personne qui soulève ces questions-là. C'est assez fascinant, quand même, de voir toute cette élite qui s'est enrichie dans les derniers siècles de façon, tellement révoltante et dégradante pour l'humanité, de voir cette clique-là maintenant nous imposer toutes sortes de visions, toutes sortes de vues, toutes sortes d'agendas, toutes sortes de politiques, dans le fond, qui tout est englobé dans un totalitarisme décrit par plusieurs depuis longtemps, et qu'il n'y a personne, naturellement, qui dit rien. Les médias sont là, eux, pour vous distraire, puis pour passer le message des gouvernements. D'ailleurs, en passant, je ne comprends pas encore qu'il y a des gens qui prennent ce que les gouvernements nous disent pour du cash. Les gouvernements sont là pour nous contrôler, nous voler et nous endoctriner. Tout ce qui vient du gouvernement devrait être remis en question. Et les médias sont là pour répandre la propagande, l'endoctrinement des gouvernements qui, eux, les gouvernements, répondent à des autorités
plus élevés, ceux qui possèdent la planète. Puis t'as pas un de ces zigotos qui a le courage de demander, mais les ressources naturelles, ça appartient à qui, là? Ça fait des centaines d'années que vous videz la Terre, puis vous vous en mettez plein les poches, puis que vous prenez les humains en les exploitant pour aller extraire toutes ces ressources naturelles-là, mettre leur vie en danger, vous les envoyez à la guerre pour aller chercher encore plus de richesses en installant des gouvernements fantoches. Puis il n'y a personne de ces médias qui joue le rôle des grands moralisateurs, des grands défenseurs de la grenouille et l'escargot. La misère se répand partout. Puis t'as pas un de ces zigotos-là qui pose la question, hey, les ressources naturelles, ça appartient à qui? Puis sont en train de continuer à vider, puis à en prendre d'autres méthodes pour en vider en, oh, en voulant sauver la planète. On n'arrête pas tout, non. On continue. C'est juste qu'on le fait différemment. On va essayer de laisser d'oublier le pétrole parce que là, on a trouvé quelque chose qui était plus payant. Le lithium, les batteries électriques, les panneaux solaires. Les éoliennes. Pas que ça va changer quoi que ce soit à la face de la planète, puis face à l'environnement, hein, parce que c'est aussi, sinon, peut-être plus dommageable. Mais l'important, c'est qu'on continue à piller toutes les ressources naturelles, puis on oublie la question, à qui appartiennent les ressources naturelles? Pourquoi c'est juste un petit groupe depuis Mathusalem qui s'enrichit avec ça? La question se pose, à qui appartient la planète? On dirait qu'elle appartient à une petite clique. Et pourquoi, depuis 200 ans à peu près, avec la formation des gouvernements démocratiques, pourquoi on permet au secteur privé, le même monde, de créer l'argent à partir du crédit et d'endetter les gens et avoir nos gouvernements fantoches qui répondent à cette petite clique-là, grossir les gouvernements, puis nous endetter en notre nom auprès de cette même clique-là, avec des intérêts qu'on traîne depuis des centaines d'années, puis des impôts qu'on nous vole sans nous l'avoir demandé, notre argent. Il n'y a personne qui est d'accord avec ça, mais ils disent tous, oh, c'est un, hein, c'est des consensus populaires, des contrats sociaux que moi je n'ai pas signés, vous non plus. Puis on est pris là-dedans, dans ce bourbier, puis là on nous divise encore plus avec toutes sortes d'insignifiances, à part du genre, au sexe, encore à la religion, puis les pseudo-égalités de ceci, de cela, les pseudo-équités de ceci et cela qui ne se règlent jamais. Juste du temps perdu dans les médias, du temps perdu à l'écran, du temps perdu dans les parlements, pour éviter de poser la vraie question qui éliminerait toutes les inéquités. À qui appartiennent les ressources naturelles et pourquoi on continue de nous endetter alors que le gouvernement est supposément, puis le fait, capable de toutes les horreurs et les atrocités pourrait du jour au lendemain imprimer son argent et le prêter sans intérêt. Mais on nous, tout le monde évite cette question-là. Pas un politicien, pas un média, pas un curé, pas un évêque, pas le pape, pas les imams, pas les rabbins, personne. Pas les artistes, personne. Parce qu'on devrait débattre de ça. Pas débattre de sauver l'espèce des grenouilles vertes, rouges, jaunes, les escargots. Et là, imagine-toi, la France se prépare, déjà, ça rentre en vigueur aujourd'hui, je pense,
Interdiction officielle. On condamne et on n'aura plus le droit de. Ce sera interdit, puis il n'y en aura plus des vols intérieurs entre Paris, Orly et Bordeaux. Mesure symbolique, toujours le symbole, militante pour les uns, victoire écologique pour les autres, interdiction des vols intérieurs en cas d'alternative ferroviaire de moins de 2h30 est désormais officielle, 3 ans après que le principe ait été posé par la Convention citoyenne pour le climat. C'est tellement du n'importe quoi. Dans les faits, elle est déjà effective depuis 2020 et l'abandon des liaisons concernées par Air France. C'était la dernière pierre à l'édifice ce matin. Le ministre Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a annoncé la publication du décret d'application mettant en œuvre l'interdiction des lignes aériennes quand il existe une alternative. Oh, bravo! Qu'est-ce que ça vient changer dans la vie du monde? Encore plus de casse-tête, plus d'attente, plus de. Je ne sais pas, peut-être même il y en a qui disent que c'est encore plus cher, le transport en train. Et. On se tape dans le dos. On se tape dans le dos. Et on se tape sur la poitrine comme un gorille. Mais ça n'a rien changé. Dans quoi que ce soit, ça ne changera rien. Dans quoi que ce soit, ça ne change surtout pas la condition dans laquelle on est, la condition humaine de misère, parce qu'il y a une clique, il y a un culte. Depuis la fondation, probablement, des trois grandes religions monothéistes qui contrôlent la planète via l'émotivité, via l'idéologie, via la foi, via la force, via l'armée, via le totalitarisme. Et que au fil de ces 3000 dernières années, disons-le comme ça, il n'y a rien qui a été fait. Absolument rien. Il n'y a rien qui a changé, puis il n'y a rien qui changera. Puis ce n'est pas un politicien qui va changer ça. C'est pas un artiste qui va changer ça, c'est pas le pape qui va changer ça, parce que ça fait longtemps que ça aurait été changé. Mais on continue dans la distraction et la distraction. Il y a deux questions fondamentales. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. À qui appartiennent les ressources naturelles? Puis pourquoi on nous endette auprès de cette même clique qui vide toute la Terre de ses ressources naturelles? Je vous reviens.